are close to water banks are always prone. We say that these are flood prone areas, meaning that they can easily be affected by floods. So that is that for floods. You remember that in that question, to give the causes, the result in destruction of buildings, to better channel water. Good. What she is saying is that as a solution to floods, or in order to control flood or to mitigate the consequences of floods, we can build gutters. These gutters can either be constructed in towns to build gutters which can better channel water, so that the water has specific ways through which it can pass. In this way, the water will not overflow its banks, and consequently, there will be no damages. Yes. You also said the building of dams across rivers to hold back water. Good. We have seen that some major projects have been carried out along some major river channels in order to control floods downstream. Downstream, meaning that the river used to overflow its banks and cause damage on farmlands. It will cause damages on properties and so on. It could even result to the death of so many people. And so, in order to solve this problem, dams have been constructed across these rivers in order to hold back water. Eventually, we're going to see where some of these dams have been constructed in order to solve problems of floods. You also said the building of sea walls to prevent inundation by exceptionally high tides. This is common along coastal areas. If you take the case of Cameroon, you go to Limbe, or you go to Kribi, it is possible that they can construct some sea walls to check water which is coming into the land, which is encroaching to the land during high tides. You know, when high tides come, they bring in a lot of water, and this water can encroach into the land and cause a lot of damages. That is that. So that was that for floods. Now, we are going to look at the next aspect, which is drought. So, when we talk of drought, what are we talking of? What do we mean by drought? What do you understand by drought? Yes, upright. What can you tell us about droughts? Good. You say this is a continuous period of dry weather. I want to, yes, add that it is a continuous period of dry weather where there is the absence of rainfall. There is the absence of rainfall. Now, that is the definition for drought. Drought is a period of excessive dryness. It is a period when there is absence of rainfall. And so during drought, there can be so many problems. You say examples of droughts are common in the Sahel regions of Africa, notably in Mauritania, in Ethiopia, in Mali, and North Cameroon. That is good. And the consequences of drought are numerous. We say this leads to the drying up of water sources, resulting in water shortages. Good. It leads to the destabilization of the ecosystem. Yes. It leads to the drying up of grass and the consequence death of animals, mostly cattle, that feed on the grass. So we are saying that if you move to the northern part of Cameroon, or you move to Mali, northern part of Mali, Mauritania, and so on, where they carry out a lot of cattle rearing, these areas usually have drought. And when there is drought, there is the shortage of grass because there is no soil moisture to sustain the growth of grass. Consequently, the animals lack plants to eat on. They lack the grass to eat on. And some either lose weight, or they may even die as a result of drought. So those are the consequences of drought. Yes, you say? Can I get you, please? Yes. Drought can lead to famine and loss of life. That is good. Drought can lead to famine and loss of life. When there is drought, it means that places are completely dry. Crops do not grow. And when crops do not grow, this can result to the shortage in food. And when there is shortage in food, of course, there is famine. And people who cannot support this for long
we eventually die from hunger. That is that. That is good. Now, let us look at this. How can drought be checked? How can drought be checked? We are looking at some solutions how drought can be checked. You know, this is a natural phenomenon. And you know, natural phenomenons are always very, very difficult to overcome. So we are told that when you plant trees, that is afforestation in areas prone to droughts, then in that way, it means that the water that leaves from the plants will go to the atmosphere and increase water in the atmosphere, consequently reducing or mitigating the effects of drought. That is that. The other aspect is water scarcity. So how do we define water scarcity? How do we define water scarcity? I need somebody. I can see that not everybody is active in class, please. Tell us what water scarcity is. Yes. Blessing. Good girl. Water scarcity. Good. She says water scarcity is when there is limited water in relation to its demand. Good. Water scarcity is when there's limited water in relation to its demand. I'm sure she's also using her knowledge of economics, which is good. You know, in social sciences, just like in any other areas of knowledge, please, the knowledge that you get from economics, the knowledge that you get from geography and so on, they should be complementary. There are some of you who feel that because you have seen something in economics, if they ask you a question in geography, you will not use that knowledge. No. The way they will define water scarcity in economics will be the same way they will define water scarcity in geography, perhaps only with a slight difference in the social context and so on and so forth. So that is good. You say this is when water is limited in relation to its demand. And this can be seen where people queue up to have supplies of water. So we are saying that in order for you to know that there is a problem of water scarcity, you discover that if you have one standpoint, if you have one water point, you have so many people who are queued up with containers of water struggling to get the water. This is indicative enough to tell us that there's water scarcity. Because in situations where there's no water scarcity, people will always have their water to carry from various sources. So that will not create a situation where people will be crowded in one particular place in order to have water. That is good. So, let us now look at the consequences of water scarcity. When there is water scarcity, what can happen? We say this can lead to the spread of waterborne diseases. And which are some of these waterborne diseases? We have diarrhea, we have cholera, and so on. That is good. Now, this is because when there is water scarcity, so many people turn to poor water sources which are not purified. And as a consequence, what happens? They now turn to have diseases because there are bacteria in their water, and those bacteria will cause them problems. That is that. So people will turn to poor water sources, and this will create them problems. Now, what are the solutions to water shortages? What are the solutions? So the solutions, we are told that in a society where there is water scarcity, there should be the construction of more dams to harness drinking water, construction of more water points, construction of private wells in order to obtain good water. That is that. So, the next aspect is desertification. Desertification. So, what is desertification? We are told desertification is a spread of desert conditions into desert fringes or non-desert areas. Listen attentively. It is a spread of desert conditions into the fringes or desert fringes or non-desert areas. And this can be seen in countries close to the desert, such as Mali, Mauritania, and Ethiopia, and so on. Now, when we say desertification, be careful. You need to know
the characteristics of a desert. So that if we say the spread of desert conditions to non-desert areas, you should be able to know what we are talking about. Remember that deserts are areas where you have droughts, areas of scarcity of water, areas of excessive dry conditions. In some areas, the deserts are even sandy and they lack vegetation. So we have discovered that those areas which are found close to deserts have started experiencing desert conditions, where their land is now being turned into grassland, where their areas are being turned into areas which are deficient in soil moisture. They don't have water. So when you start experiencing some conditions and you are close to a desert, it means that you are experiencing desertification. So we have said that those countries which are found at the fringes of the deserts are prone to desertification. And the consequences of desertification are similar to those of drought, just like the solutions to it. So, dear students, dear parents, we have seen this question for now. In our next class, we are going to look at the next question. Thank you. We'll see you next time. Africa. Tout de suite, technologie sur School TV Africa. Bonjour chers élèves de la classe de première MVT et bienvenue sur School TV Africa. Aujourd'hui, nous allons travailler en construction mécanique, plus précisément sur le chapitre État de surface. À la fin de ce cours, vous devez être capable d'identifier sur un dessin les types d'états de surface et d'inscrire les symboles des états de surface. L'aptitude d'une pièce à une fonction donnée dépend d'un ensemble de conditions, notamment des caractéristiques de ces états de surface. Par exemple, l'examen de la figure à l'écran montre que l'étanchéité et l'usure du joint sont essentiellement fonction de l'état de surface de l'alésage du cylindre. Passons donc à l'analyse d'une surface. Si l'on coupe normalement une surface par un plan,
on obtient une courbe appelée profil de surface. C'est à partir de ce profil que l'on analyse les différents défauts de la surface. On classe les défauts géométriques en quatre ordres de grandeur. On a défauts du premier ordre, qui sont des défauts de forme. Par exemple, écart de rectitude, écart de circularité, etc. On a donc les défauts du deuxième ordre. C'est une ligne ondulée. Elle est caractérisée par une ligne enveloppe supérieure. La distance d'irrégularité entre les deux sommets est comprise entre 0,5 et 2,5 mm environ. On a également les défauts du troisième et du quatrième ordre. Ils caractérisent la rugosité de la surface. Les défauts du troisième ordre sont constitués par des stries ou des sillons. La distance entre deux sillons est comprise entre 0,02 et 0,5 mm environ. Les défauts du quatrième ordre sont des défauts apériodiques constitués par des arrachements, des fentes, etc. La distance entre deux pics de ces irrégularités est inférieure ou égale à 20 picomètres. Nous avons donc à l'écran la représentation des différents ordres. Vous voyez donc que nous avons le profil de surface. On a un plan de coupe. On a également sur le schéma à l'écran les longueurs d'évaluation et de base. On remarque donc que la longueur d'évaluation est notée LN. On a également l'écart de forme. On a la direction du profil géométrique nominal et on a l'ondulation. Parlons donc des caractéristiques du profil. Un profil est caractérisé par une longueur d'évaluation LN. C'est la longueur mesurée suivant une direction générale du profil. Vous avez donc à l'écran la représentation de la ligne enveloppe supérieure et la représentation de la longueur d'évaluation LN. On peut également avoir la longueur de base notée petit LR. C'est la partie de la longueur d'évaluation utilisée pour séparer les irrégularités du profil. Vous avez toujours à l'écran la représentation de la longueur de base LR. On peut également avoir la ligne enveloppe supérieure. Vous avez sa représentation. On a la ligne moyenne qui est une droite ayant la direction générale du profil et qui divise le profil de telle sorte qu'à l'intérieur de la longueur de base, la somme des carrés des écarts à partir de cette ligne soit minimale. Remarque, approximativement, la somme des aires comprises entre la ligne moyenne et le profil est égale de part et d'autre. Passons aux paramètres liés au motif. On commence par la profondeur moyenne d'ondulation, notée grand W. C'est la moyenne des distances saillie-creux des écarts du deuxième ordre. Vous avez donc sa représentation à l'écran. Passons à un autre paramètre, le pan moyen de l'ondulation AW, grand A, grand W. C'est la moyenne des distances saillie-saillie des écarts du deuxième ordre. Vous avez donc sa formule à l'écran. Nous avons également sa représentation à l'écran. Parlons d'un autre paramètre. La profondeur moyenne de rugosité, notée grand R. C'est la moyenne des distances saillie-creux et des écarts du deuxième et quatrième ordre. Nous avons sa représentation à l'écran. Parlons du dernier paramètre. Le pan moyen de rugosité noté AR. C'est la moyenne des distances saillie-saillie des écarts du troisième et quatrième ordre. Vous avez sa représentation ou son indication sur le schéma. Passons maintenant aux paramètres liés à la ligne moyenne. On commence par l'écart moyen arithmétique du profil noté grand R petit a. Grand R petit a est égal à la moyenne arithmétique calculé sur la longueur de base de la valeur absolue de l'ordonnée Y entre chaque point du point et l'axe OX. On peut noter, pour le cas des élèves de la classe de première, RA
égale à la somme des Z, donc Z1 jusqu'à Zn sur N. Passons à la hauteur maximale du profil. Notez grand R, petit Z. C'est la distance entre la ligne des saillies et la ligne des creux. Parlons également de l'hauteur maximale de saillie. Notez grand R, petit P. C'est la distance entre la ligne des saillies et la ligne moyenne. On peut également avoir le taux de longueur portante. Notez grand R, petit M, R. Le taux de longueur portante s'exprime en pourcentage pour un plan de coupe à une profondeur donnée C en micromètres. Nous avons donc la représentation à l'écran du taux de longueur portante. Comme exemple, on peut avoir le cas de RMRC, 70%, ce qui signifie qu'après une usure de 5 picomètres, le pourcentage de la longueur d'évaluation qui porterait sur une surface plane devrait être d'au moins 70%. Si l'on recherche un état de surface fin, tout en laissant des sillons formant réserve d'huile, on peut tolérancer un taux de longueur portante. On a donc dans ce cas RMR de C de 60% à 70%. Passons maintenant à l'indication d'un état de surface. Le tableau que vous avez à l'écran nous présente dans un premier temps le symbole de base et dans un deuxième temps l'indication de l'état de surface. Nous avons le premier symbole qui est une surface prise en considération. Ce symbole ne spécifie aucune exigence pour l'état de surface. On passe au deuxième symbole. Surface à usiner par enlèvement de matière sans spécification d'exigence pour l'état de surface. Le symbole suivant est celui de la surface ou l'enlèvement de matière. Passons à un autre symbole qui est celui d'une surface où l'enlèvement de matière est interdit sans spécification d'exigence pour l'état de surface. Remarque, sur les dessins d'opérations de fabrication, ce troisième symbole peut être employé seul. On spécifie ainsi que la surface doit rester dans l'état obtenu lors d'une précédente opération, qu'il y ait eu ou non enlèvement de matière. On a également le symbole de la surface avec spécification d'exigence complémentaire pour l'état de surface. Vous avez à l'écran son symbole. On a également le symbole de l'état de surface. On a également le symbole où l'état de surface est le même pour toutes les surfaces de la pièce. Vous voyez donc qu'il y a un rond qui est mentionné. Passons maintenant aux indications de l'état de surface. Vous voyez donc que nous avons une valeur accompagnée d'une lettre notée grand R petit a. Dans ce cas, l'état de surface noté grand R petit a de limite supérieure 6,3 picomètres peut être obtenu par un procédé d'élaboration quelconque. On parle d'enlèvement de matière par usinage facultatif. Vous voyez donc que R a c'est le symbole de l'état de surface et 6,3 est la limite supérieure. Nous avons, pour le deuxième cas, RA 6,3 et RA 1,6 inscrits en dessous du symbole. L'écart moyen arithmétique du profil RA doit être compris entre une limite supérieure de 6,3 picomètres et d'une limite inférieure de 1,6 picomètres. Vous voyez donc qu'il y a deux valeurs sur le symbole. On a RA 6,3 et RA 1,6. Donc, c'est une valeur comprise. Nous avons donc un autre symbole. Vous voyez donc, avec la représentation RA 3,2. L'état de surface RA de limite supérieure 3,2 picomètres doit obligatoirement être obtenu par usinage. On passe à un autre symbole. RA 0,8 avec un rond. Vous voyez la représentation d'un cercle. L'état de surface RA de limite supérieure 0,8 picomètres doit être obtenu par un procédé sans enlèvement de matière. On a à l'écran également
Un autre symbole accompagné des lettres. Vous voyez, on a U, RA 0,8 et LRZ 6,3. L'état de surface doit respecter deux paramètres de rugosité. RA limite supérieure à 0,8 picomètres et RZ limite inférieure à 6,3 picomètres. On a W 0,3 sur le symbole à l'écran. La profondeur moyenne d'ondulation du profil W doit être au maximum de 0,3 picomètres. Passons maintenant aux indications complémentaires éventuelles. Le tableau à l'écran nous présente quelques indications et quelques méthodes de fabrication. Vous voyez, on a la représentation moins 4 bar RA 3,2. Bande de transmission, moins 4. Longueur d'évaluation par défaut, 5 x 4 qui nous donne 20 mm. N'inscris cette longueur que si elle est différente des valeurs normalisées. On passe donc à l'autre représentation. Sur épaisseur d'usinage 0,5 mm, vous voyez son inscription sur le symbole. Un autre symbole, vous voyez, c'est écrit RODÉ et RA 0,4. Ici, l'état de surface obtenu est par rodage. La limite supérieure de rugosité est RA 0,4 picomètres. Nous avons toujours à l'écran un autre symbole. Vous voyez, il y a deux ronds. On a, c'est mentionné chromé et RA 0,1. Ici, l'état de surface est obtenu sans usinage. La limite supérieure de rugosité RA 0,1 picomètre, traitement chromage et les spécifications valables pour toutes les surfaces. Nous avons donc à l'écran quelques symboles avec leurs exemples. Nous avons le cas de l'égalité, vous voyez le symbole de l'égalité, et vous avez un exemple. On a le cas du symbole le C avec son exemple. Vous voyez comment c'est mentionné sur le symbole de l'état de surface. Vous avez également le symbole de perpendiculaire. Le symbole représente la perpendicularité. On a également le symbole R. On a l'exemple de la direction des stries. Vous voyez donc que chaque fois, le schéma qui est en bas du symbole représente la direction des stries. Vous savez, X pour symbole, il y a un exemple, l'exemple de la direction des stries. Vous avez P et l'exemple de la direction des stries. Vous avez également M et la représentation de l'exemple des stries. La direction des stries résulte du procédé de fabrication utilisé. La symbolisation donne la direction des irrégularités de surface prédominante. Passons maintenant aux spécifications simplifiées. Vous avez à l'écran le symbole. On commence par le symbole de l'état de surface général. Le symbole d'état de surface général, représenté entre parenthèses sur le schéma à l'écran, est constitué soit du symbole de base sans autre indication, soit des symboles d'état de surface indiquant un ou plusieurs états de surface particuliers. Vous voyez donc, c'est le cas du schéma. On passe maintenant au symbole complexe. Il est possible d'utiliser une indication simplifiée, à condition que la signification en soit expliquée. Vous avez une illustration à l'écran. Vous voyez donc, on a les différentes représentations et les différents symboles. On a également un autre symbole. Vous voyez donc, ici, on a la répétition fréquente d'un même état de surface. L'indication peut se limiter au symbole de base à condition que la signification en soit expliquée. Vous avez donc les différentes représentations à l'écran. Passons maintenant aux positions du symbole. Vous avez à l'écran les différentes positions que peuvent occuper les symboles. On peut donc vérifier la position rectifiée. On peut également voir le symbole de la perpendicularité. Règle générale, les symboles de base ou les lignes de repère sont tracés du côté libre de matière. Les inscriptions doivent être orientées pour être lues depuis le bas ou depuis la droite du dessin. Chers élèves de la classe de première MVT, s'il vous est demandé
de décrypter les symboles de l'état de surface dans un dessin en coupe, vous devez donc faire allusion au coup dont on vient de voir. Vous devez également être capable d'inscrire sur un dessin en coupe les différents symboles des états de surface. Je vous remercie de m'avoir suivi sur School TV Africa. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau cours toujours en construction mécanique. Africa. Bonjour chers élèves de la classe de 4e année Marée et bienvenue sur School TV Africa. Aujourd'hui, nous allons travailler en construction mécanique, plus précisément sur le chapitre « Le guidage en rotation ». Guidage en rotation. Compétences attendues. À la fin de ce cours, vous devez être capable d'identifier un guidage en rotation, de réaliser un guidage en rotation, de réaliser le blocage des roulements et enfin de coter les portées des roulements. Généralité. Le guidage en rotation consiste à réaliser une liaison pivot entre un arbre et un alésage. On peut encore appeler l'alésage moyeu. À l'écran, vous avez donc le symbole de la liaison pivot. Quand on parle d'une liaison pivot, on pense directement à 0 degré de liberté en translation et 1 degré de liberté en rotation. Vous voyez donc que le schéma à l'écran nous présente un arbre et un moyeu. Passons maintenant aux articulations assurant le guidage en rotation. On commence d'abord par une liaison directe. Le schéma à l'écran est celui d'une liaison directe. Vous voyez donc qu'on a réalisé le guidage en rotation en utilisant une liaison directe. Les pièces sont en contact direct. C'est le cas de la chape. Passons maintenant à la liaison indirecte avec éléments anti-friction. Ça, c'est le cas des paliers lisses. Nous avons donc à l'écran la représentation de ce type de liaison. Vous voyez donc qu'on a utilisé des coussinets en métal frité auto-lubrifiant. On a également utilisé des coussinets composites. On a le cas pour les coussinets en métal frité auto-lubrifiant de la poudre de bronze aggloméré à chaud imprégné d'huile. Pour le deuxième cas, celui des coussinets composites, nous avons une couche de PTFE qui est le téflon à l'intérieur d'une bague métallique. Passons maintenant à la liaison indirecte avec éléments roulants. On parle de ce cas des roulements. Vous avez donc à l'écran la représentation d'un roulement. Cette solution constructive développée à la suite est très utilisé.
Le guidage est assuré avec précision, avec un frottement minimal. On peut également avoir la liaison indirecte élastique. C'est le cas des silem blocs. Vous voyez donc à l'écran le schéma illustratif de ce type de liaison. Vous avez une bague extérieure, un caoutchouc et une bague intérieure. Vous voyez donc qu'on a deux bagues métalliques reliées par une bague en caoutchouc. Étudions donc la composition d'un roulement. À l'écran, vous avez le schéma qui nous montre les différentes parties d'un roulement. Nous avons en 1 une bague extérieure qui est liée à l'alésage, c'est-à-dire le logement du roulement. Nous avons en 2 une bague intérieure qui est liée à l'arbre. Nous avons en 3 une cage qui assure le maintien des éléments roulants. En 4, nous avons les éléments roulants situés entre les deux bagues. Nous avons également les différents types d'éléments roulants qu'on peut utiliser. On peut utiliser des billes, on peut utiliser des rouleaux et on peut également utiliser des aiguilles. Passons au type de charge supportée par les roulements. Les roulements peuvent supporter une charge radiale, une charge axiale et une charge combinée. Vous avez donc l'illustration sur le schéma à l'écran. Étudions maintenant les principaux types de roulements à billes et à rouleaux. Nous avons un tableau qui nous présente donc ces différents types de roulements. Nous avons dans un premier cas des roulements à billes à contact radial. Sa représentation, nous avons donc deux types de représentation, une représentation normale et une représentation conventionnelle. Aptitude à la charge. En ce qui concerne la charge radiale, on a une forte charge radiale. En ce qui concerne la charge axiale, elle est modérée. En ce qui concerne l'aptitude à la vitesse, on a une forte aptitude à la vitesse. Comme remarque, c'est le plus utilisé, très économique et existe en plusieurs variantes, étanches, avec rainures et segments d'arrêt. Passons au roulement à une ou à deux rangées de billes à contact oblique. Et comme également représentation conventionnelle, nous avons la représentation à l'écran. Ce type de roulement supporte de fortes charges radiales, supporte également de fortes charges axiales. En ce qui concerne l'aptitude à la vitesse, elle est modérée. Pour les remarques d'utilisation, les roulements à une rangée de billes doivent être montés par paire avec une rangée de billes. La charge ne peut être appliquée que d'un côté. Passons aux règles de montage des roulements. La barre tournante par rapport à la direction de la charge est montée serrée sur sa portée. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque la bague est tournante, pour le cas des roulements à contact radial, on bloque les roulements sur quatre côtés. Passons maintenant pour le cas où la bague est fixe par rapport à la direction de la charge. Dans ce cas, cette bague est montée glissante, c'est-à-dire avec jeu. Dans ce cas, le roulement est bloqué sur deux côtés. Et vous savez que pour bloquer les roulements, on peut utiliser des entretoises, on peut utiliser des C-clips, on peut utiliser des écrous à encoche, plus une rondelle frein. On peut également utiliser des épaulements. Nous avons à l'écran l'illustration de ce qu'on entend par montage à arbre tournant et ce qu'on entend par montage à alésage tournant. Vous voyez donc que c'est l'arbre qui tourne dans le premier cas et dans le deuxième cas, c'est l'alésage qui tourne. La bague intérieure est tournante dans le cas du montage à arbre tournant et la bague extérieure est fixe. Pour le cas du montage à alésage tournant ou à moyeu tournant, la bague intérieure est fixe et la bague extérieure est tournante. Dans certains exercices, il vous est parfois demandé de coter les portées des roulements. Seul le diamètre des portées de l'arbre noté phi petit d et de l'alésage noté phi grand d sont à côté. Vous avez donc l'illustration à l'écran. Vous avez un roulement. Vous avez l'illustration de la cotation suivant l'arbre et l'illustration de la cotation suivant l'alésage. Passons
au montage des roulements à billes à contact radial. Premier cas, arbre tournant par rapport à la charge. Nous avons donc à l'écran un exemple de montage. Vous voyez donc que dans ce cas, c'est l'arbre qui est tournant. Et comme l'arbre est tournant, on doit bloquer les roulements quatre côtés sur l'arbre. Vous voyez donc que les obstacles sont indiqués sur la figure à l'écran, en D, en A et en B. Vous voyez donc que pour le cas de la figure à l'écran, on a utilisé l'entretoise pour le blocage à l'intérieur et à l'extérieur, on a utilisé l'épaulement. En ce qui concerne les ajustements, les bagues intérieures tournantes sont montées serrées. La tolérance sur l'arbre peut être pris comme petit cas C et les bagues extérieures sont fixes, donc sont montées glissantes. Comme tolérance sur l'alésage, on peut prendre grand H7. En ce qui concerne les arrêts axiaux des bagues, les bagues intérieures montées serrées sont arrêtées en translation par quatre obstacles A, B, C et D. Les bagues extérieures montées glissantes sont arrêtées en translation par deux obstacles, E et H. Vous voyez donc que sur le chemin à l'écran, on a cette illustration. Nous avons l'ajustement serré en ce qui concerne l'arbre et l'ajustement avec jeu en ce qui concerne l'alésage. Passons au deuxième cas. En ce qui concerne le montage des roulements à billes à contact radial. Deuxième cas, alésage tournant par rapport à la charge. Nous avons un exemple de montage à l'écran. Vous voyez donc que, en ce qui concerne les arrêts axiaux des bagues, pour les bagues intérieures qui sont montées glissantes, on les a arrêtées en translation par deux obstacles, E et H. Pour les bagues extérieures montées serrées, on les a arrêtés en translation par quatre obstacles, A, B, C et D. Vous voyez donc que l'ajustement utilisé pour ce qui concerne l'arbre, c'est G6, petit G6 bien sûr, et en ce qui concerne l'alésage, c'est M7, grand M7. Vous voyez donc que l'ajustement suivant l'arbre est monté avec G, et l'ajustement suivant l'alésage est monté serré. Passons au montage des roulements à rouleau conique. Ces roulements doivent être montés par paire et en opposition. C'est-à-dire, ces roulements peuvent être montés inversés. Prenons le premier cas. Arbre tournant par rapport à la charge. On appelle donc ce cas le montage direct en X. Comment reconnaître donc qu'un montage est en X? Un montage appelé X, car les perpendiculaires au chemin de roulement dessinent un X. Nous avons donc le chemin à l'écran qui nous présente donc un montage à arbre tournant ou montage en X. Vous remarquez donc que les liaisons axiales des bagues, en ce qui concerne les bagues intérieures, sont réalisés par des obstacles en A et en B. En ce qui concerne les bagues extérieures, avec l'alésage, l'obstacle est réalisé en C. En ce qui concerne maintenant le réglage axial du montage, on a utilisé le point D. Pour l'ajustement, en ce qui concerne l'arbre, on peut avoir petit M6 et l'ajustement est serré. Pour ce qui concerne l'alésage, l'ajustement est avec G et on peut choisir grand H7. En ce qui concerne le montage en X, vous pouvez, suivant l'alésage, prendre grand H7. Et en ce qui concerne l'arbre, prendre petit M6. Pour le deuxième cas, alésage tournant par rapport à la charge. On appelle ce cas montage indirect ou montage en haut. Quand dit-on qu'un montage est en haut? Un montage appelé en haut, car les perpendiculaires au chemin des roulements dessinent un haut. Nous avons donc l'illustration sur la figure à l'écran. Les liaisons axiales des bagues. Les bagues intérieures avec l'arbre
sont réalisés au point C. Le réglage axial du montage est réalisé en D. Les bagues extérieures avec l'alésage ont pour obstacle en A et en B. En ce qui concerne les ajustements, nous avons suivant l'arbre, l'ajustement avec G, et suivant l'alésage, l'ajustement avec serrage. En ce qui concerne donc le choix de l'ajustement suivant l'arbre, on peut prendre petit F6. En ce qui concerne l'alésage, on peut prendre grand P, petit 7. Passons au montage des autres types de roulements. Pour les roulements à rouleau cylindrique, les roulements à deux rangées de billes à contact oblique et les montages mixtes, on applique les mêmes règles de montage que pour les roulements à billes à contact radial. Pour les roulements à une rangée de billes à contact oblique, on applique également les mêmes règles de montage que pour les roulements à rouleau conique. Lors des évaluations, vous devez tenir compte de ces règles de montage des roulements. Dans des sujets de dessin de construction mécanique, on vous posera souvent des questions. De quel type de roulement s'agit-il? Quels sont les types de montage utilisés? Quels sont les éléments utilisés pour réaliser le blocage de ces roulements? Proposez les ajustements nécessaires pour ce blocage. On peut également vous poser la question sur le réglage. Si vous pouvez donc répondre à ces questions, on comprendra donc que vous êtes capable de réaliser un guidage en rotation. Nous sommes donc arrivés au terme de notre cours sur le guidage en rotation. Retrouvons-nous prochainement, toujours sur School TV Africa. Africa. Bonjour chers élèves de la classe de 4e année Marée et bienvenue sur School TV Africa. Aujourd'hui, nous allons travailler en dessin de construction mécanique, plus précisément sur le guidage en translation. Guidage en translation. Compétences. À la fin de ce cours, vous devez être capable d'identifier un guidage en translation, de choisir une solution technique pour réaliser un guidage en translation. Vous vous rappelez que lors du cours sur les liaisons mécaniques, on avait parlé d'une liaison glissière. Quand on parle de liaison glissière, on pense directement au guidage en translation. Introduction. Un ensemble de pièces est guidé en translation par rapport à un autre
lorsque les surfaces en contact ne permettent plus qu'un degré de liberté entre les deux. Une translation suivant une direction donnée. La liaison mécanique normalisée associée à cette fonction technique est la liaison glissière. La solution constructive qui réalise une liaison glissière est appelée donc guidage en translation. Commençons par étudier les types de guidage en translation. De ce fait, on va commencer par le guidage par glissement. Dans le guidage par glissement, on peut avoir association de contacts ponctuels. La réalisation d'une liaison glissière isostatique est réalisable grâce à l'utilisation de 5 contacts ponctuels judicieusement placés. Si ces solutions ont l'avantage non négligeable d'être isostatiques, elles sont souvent écartées pour des solutions constructives plus complexes, pour des raisons de transmission des actions mécaniques et de résistance à la déformation. Prenons le deuxième cas. Association pivot glissant plus ponctuel. Pour des réglages avec d'assez faibles courses, des couples transmissibles assez faibles, c'est-à-dire des surfaces de contact faibles, et une précision nécessaire ou assez faible, c'est-à-dire directement liée au jeu de fonctionnement. Cette solution est assez simple à réaliser et est utilisée pour des glissières de réglage avec d'assez faibles courses, des couples transmissibles assez faibles et une précision nécessaire ou assez faible. Nous avons à l'écran le symbole de la représentation normalisée en projection orthogonale, la représentation spatiale et les degrés de liberté. En ce qui concerne les degrés de liberté en translation, nous avons un seul degré de liberté suivant l'axe des X. Suivant l'axe des Y et Z, 0 degré de liberté en translation. Et suivant les trois axes, nous n'avons aucun degré de liberté en rotation. Passons maintenant au cas de l'association pivot glissant plus linéaire rectiligne. Ce type de liaison glissière est à nouveau utilisé pour des systèmes de réglage à faible course. Mais dans ce cas, l'augmentation des dimensions des surfaces en contact permet de passer des couples et des efforts beaucoup plus importants. On a donc une meilleure résistance à la déformation et à la pression de matage. Cette solution technologique est couramment utilisée dans les boîtes de vitesse et dans les embrayages. Le schéma à l'écran nous illustre donc ce type de guidage. Passons maintenant à l'association de deux pivots glissants. Cette solution fortement hyperstatique est une des plus classiques. Elle entraîne cependant un grand nombre de contraintes géométriques et dimensionnelles. On peut citer entre autres l'entrace précis sur les colonnes et sur le coulisseau, le parallélisme entre les deux axes et le parallélisme entre les deux alésages. Elle peut être réalisée grâce à des éléments standards du commerce. Axe en acier trempé et coussinet en bronze. Dans ce cas, on peut avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la section rectangulaire. C'est la solution qui semble la plus logique au vu de la représentation normalisée de la liaison glissière. Mais elle peut être rapidement hyperstatique et nécessitera donc des possibilités de réglage, un usinage soigné ou des jeux importants, ce qui entraîneront nécessairement des risques de coincement et une précision de guidage plus faible. Le schéma à l'écran nous présente donc ce cas de figure. Passons au deuxième cas. Glissière en queue d'aronde. Cette forme en queue d'aronde est utilisée en menuiserie afin de réaliser des tenons permettant des assemblages rigoureux de deux éléments en bois. Elle est aussi utilisée comme guidage en translation afin de guider les chariots mobiles de machines utiles. Comme la glissière précédente, elle nécessite des usinages soignés et rigoureux et afin de limiter les effets néfastes d'un jeu trop important
Elle est équipée d'éléments permettant le rattrapage du jeu. Le schéma à l'écran nous présente donc une queue d'aronde. Vous voyez donc l'inclinaison de la queue d'aronde de 60 degrés. On a deux pièces, la pièce 1 et la pièce 0. Vous voyez donc que l'inclinaison en bas est de 60 degrés et à droite est de 60 degrés. On peut également utiliser une glissière ouverte. Quand dit-on qu'une glissière est ouverte? Une glissière est dite ouverte si elle nécessite l'application d'actions mécaniques dans un sens particulier. Pour que les surfaces restent en contact, l'action mécanique de la pesanteur permet le plus souvent d'assurer la mise en contact. La glissière est réalisée la plupart du temps par une association entre un appui plan horizontal et deux autres plans formant un coin à glissière. Le schéma à l'écran nous présente donc, vous voyez une inclinaison de 90 degrés. Vous voyez également un poids. Le schéma à l'écran nous montre qu'il est aussi possible d'ajouter des pièces sur le coulisseau afin de maintenir celui-ci en contact avec le guide. On peut aussi réaliser le guidage en translation en utilisant des roulements. Pour le cas des guidages en rotation, le fait d'interposer des éléments roulants entre le guide et le coulisseau permet de réduire énormément les pertes d'énergie en remplaçant le frottement de glissement par de la résistance au roulement. Les modèles utilisés pour représenter cette résistance et pour dimensionner un guidage en translation utilisant des éléments roulants sont identiques à ceux définis lors de l'étude des guidages en rotation. Dans ce cas, on peut utiliser des galets. Les galets sont donc interposés entre les éléments de la glissière. Ils peuvent être réalisés à partir de roulements standards ou des galets spécifiques avec une bague extérieure ayant une forme particulière. De nombreux fournisseurs proposent aussi des ensembles complets standards basés sur l'utilisation de galets. Les surfaces de roulement peuvent être cylindriques ou planes. Elles sont souvent issues des géométries définies pour les guidages avec glissement direct, c'est-à-dire association de deux cylindres ou de plusieurs plans de roulement. La question du rattrapage du jeu pour ce type de guidage se pose aussi, mais peut être résolue grâce à l'utilisation d'axes excentriques pour les galets. On peut utiliser des douilles à billes. Ces éléments sont basés sur le même principe que les patins à circulation. Les éléments roulants sont nécessairement des billes et le rail est une colonne cylindrique. À nouveau, il existe un grand nombre de modèles standards différents. Le guidage est assuré par l'association de plusieurs douilles à billes afin de réaliser la liaison glissière. On peut donc avoir à l'écran le schéma illustratif des douilles à billes. Une douille à billes ne doit que translater. Elle ne doit en aucun cas tourner autour de la colonne de guidage. Elle sera donc maintenue sur le coulisseau à cet effet. Les schémas à l'écran nous présentent les différents cas de figure. Nous avons le principe de répartition des billes. Nous avons également une douille fermée pour rail maintenu à leur extrémité. Nous avons enfin des douilles ouvertes pour rail maintenu sur toute leur longueur. Nous venons ainsi d'achever le cours sur le guidage en translation. J'ose croire que vous, élèves de la classe de 4e année marée, êtes capables de réaliser un guidage en translation et de l'identifier dans un mécanisme. Retrouvons-nous prochainement, toujours sur School TV Africa, pour un nouveau cours en construction mécanique.
School TV Africa. Bonjour chers élèves de la classe de terminale MVT et bienvenue sur School TV Africa. Aujourd'hui, nous allons travailler en mécanique appliquée sur le module La résistance des matériaux. Dans ce module, nous allons travailler la séance numéro 3, la flexion plane simple. À la fin de ce cours, vous devez être capable d'identifier une poutre soumise à la flexion simple, de vérifier la tenue au service d'un arbre d'une poutre en flexion simple, de déterminer la répartition des contraintes sur la section, et enfin, d'appliquer la condition de résistance pour dimensionner une poutre. Commençons par l'essai de flexion. Le comparateur à l'écran nous permet de mesurer les déformations transversales appelée flèche. Les essais montrent que la flèche dépend de la norme de la charge, de la position de la charge, de la forme et le matériau de la poutre. Dépend également de la longueur de la poutre. À l'écran, on observe donc deux solides, le premier au repos, le second avec un essai de flexion. Dans l'effet de flexion, on remarque que la poutre s'est déformée. Dans cette déformation, on a trois types de fibres. On a la fibre neutre qui est au milieu, la fibre comprimée et les fibres tendues. Définissons donc ce qu'on entend par flexion plane. Quand dit-on qu'une poutre est sollicitée en flexion plane? Une poutre est sollicité en flexion plane simple lorsque le système des forces extérieures se réduit à un système plan et que toutes les forces sont perpendiculaires à la ligne moyenne. On retrouve la flexion plane sur les arbres de transmission, les poutres supportant les dalles ou les plateformes. Étudions les contraintes dans une poutre fléchie. On va commencer par la contrainte tangentielle. Le glissement transversal provoque dans la section droite des contraintes tangentielles tau. Ces contraintes sont uniformément réparties dans la section droite S. On peut donc noter, avant d'écrire, rappelons que nous sommes sur la flexion plane simple. Je disais donc, on peut donc écrire tau égale à T sur S. Suivant l'axe des Y, nous avons TY. On peut également écrire tau moyenne. On peut également écrire tau moyenne égale à TY max sur S. S étant la section. La section est également appelée la surface. Étudions également la contrainte normale. La contrainte normale sigma est proportionnelle à la distance de la fibre étudiée au plan des fibres neutres. On peut donc avoir sigma égale à, au moment fléchissant, suivant l'axe des Z, divisé par le moment quadratique, suivant l'axe des Z, multiplié par la distance Y. Le schéma à l'écran nous présente donc cette poutre. On peut remarquer la cotation pour retrouver la valeur de Y. Dans cette relation, sigma est donné en mégapascal ou tout simplement
en newton par millimètre carré. On sait déjà que IGZ, c'est le moment quadratique suivant l'axe des Z, il est donné en millimètre exposant 4. Y est la position de la fibre étudiée. Il se donne en millimètre. Rappelons la valeur du moment quadratique et de la distance Y de quelques surfaces élémentaires. Nous avons vu dans le chapitre sur l'étude des moments quadratiques quelques surfaces. On a vu la surface du carré, la surface rectangulaire, la surface du cercle, un cylindre plein et un cylindre creux. Nous avons vu quelques cas de figure. Le cas du carré, le cas du cercle, le cas du rectangle et enfin le cas d'un cercle creux. Nous avons donné leur moment quadratique. On peut rappeler que pour le cas de la forme rectangulaire, nous avons BH cube sur 12 suivant l'axe des Z. Et en ce qui concerne la valeur de Y, nous pouvons avoir Y égale à H sur 2. Notons qu'on peut aussi appeler Y V. Pour le cas du carré, son moment quadratique suivant l'axe des Z, nous avons A exposant 4 sur 12. En ce qui concerne la valeur de Y ou de V, nous avons donc Y égale à A sur 2. Passons au cas du cercle plein. Nous avons donc, pour le moment quadratique suivant l'axe IGZ, pi d exposant 4 sur 64. Et en ce qui concerne la valeur de Y ou de V, nous avons D sur 2. Pour le cas d'un cylindre creux, nous avons, suivant l'axe IGZ, un moment quadratique égal à pi, facteur de D exposant 4, grand D bien sûr, moins petit d exposant 4 sur 64. Et pour la valeur de Y qui est égale à V, nous avons grand D sur 2. Pour des raisons de sécurité, la contrainte normale due à la flexion doit rester inférieure à la résistance pratique. On définit la résistance pratique par le quotient de la résistance élastique à l'extension, noté RE, par le coefficient de sécurité, noté petit s. La condition de résistance peut donc s'écrire sigma maximal inférieur ou égal à la résistance pratique. On rappelle que RP égale à RE, résistance au glissement, sur le coefficient de sécurité petit s. Dans cette relation, sigma maximal se donne, nous l'avons déjà dit, en newton par millimètre carré. La section est sans unité et la résistance élastique se donne en newton par millimètre carré ou tout simplement en mégapascal. Étudions maintenant les efforts tranchants et les moments fléchissants. Et ensuite, nous allons tracer leur diagramme. Commençons par l'effort tranchant. C'est quoi l'effort tranchant? L'effort tranchant noté T est la somme algébrique précédée du signe moins des projections sur l'axe GY de toutes les forces situées sur le tronçon. On peut alors écrire TY égale moins, on ouvre les parenthèses, la somme algébrique des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section de centre G. Passons au moment fléchissant. Le moment fléchissant noté grand M petit f est la somme algébrique précédée du signe moins
des moments de toutes les forces situées à gauche du centre de gravité G. On peut donc écrire moment fléchissant suivant l'axe de Z égale moins, on ouvre les parenthèses, somme algébrique des moments des efforts appliqués sur la poutre à gauche de la section du centre G et calculé au point G. On passe donc à l'exercice.